Le muraliste Trey Kelly est venu de Los Angeles pour ce projet atypique. Il a expliqué que la réponse du public a été très positive, y compris celle d'un couple dont la voiture se trouve dans la pile et qui les a remerciés d'en avoir fait quelque chose de plus beau. Le projet consiste à collecter des fonds pour les artistes ukrainiens, à collaborer avec eux et à coopérer avec les villes qui désigneront les murs qu'elles souhaitent embellir, certains dans des zones très endommagées. Ils veulent embellir ces zones pour le moral des gens, pour qu'ils puissent se reconstruire. Et puis nous créons également des NFT, des jetons non fongibles à partir de peintures murales afin qu'ils soient vendus en ligne pour aider à financer des causes humanitaires locales. Le projet attire les critiques de ceux qui s'opposent à l'idée de créer de la beauté sur les décombres de la guerre. Les artistes soulignent pour leur part que leur travail a été autorisé par les dirigeants de la ville et qu'il aidera les artistes ukrainiens et les efforts de reconstruction en général. Il y a de la reconnaissance de la part des gens qui viennent ici, des gens qui ont perdu des proches. On pleure ensemble, on s'embrasse, ils nous remercient. C'est incroyable. Ça donne des ailes et on comprend qu'il faut faire ça, que les gens en ont besoin. Vous leur donnez de l'espoir pour notre victoire. Nous sommes forts comme des tournesols, car le tournesol est la fleur la plus forte. Casimir adhère au message derrière ces fleurs, mais il pense que beaucoup ne sont peut-être pas prêts à être jovial. Peut-être est-il trop tôt pour dessiner des fleurs. Je ne suis pas sûr, mais je comprends l'idée. L'artiste ukrainienne Olena Yanko et Trey Kelly assurent prendre en compte ses préoccupations, mais ils disent espérer que le site sera un lieu de réflexion. Le collectif d'artistes vendra son travail sous forme d'actifs numériques pour collecter des fonds pour les causes locales.